Salut guys, bon, aujourd'hui c'est le grand jour. Moi, élection, je sais pas. Allez, c'est parti, champion, man. Direction Québec, man. Let's go, force à toi, man. On s'appellera. Let's go. Bah voilà, man. On ramasse tout seul maintenant. On voit pas mal de temps, pas mal de jours, pas mal de kilomètres. Donc force à moi, force à Alexis. Bon bah c'est parti, on est au parc Orion et je peux pas passer avec mon vélo donc c'est parti. On va comme ça. 15 km tapis, ça use. J'ai plus rien à manger. On verra ce que ça donne. Dans le pire des cas, je vais manger un ours. Il paraît qu'il y a des ours là. Oh, je pense qu'on va bien rigoler. Énorme ce truc. Je sais pas si ça lance des épines comme Wolverine là, mais. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais. C'est marqué plage. C'est une plage, man. Oh my god. Allons à la plage. Ce qui signifie plage, signifie douche en quelque sorte. Les douches sont rares. Allez, allons à la plage. Bon, on va tremper les pétons. On va voir ce que ça dit. Ok, let's go. Je pense qu'on va juste la regarder finalement. On va juste la regarder. Ça m'énerve. J'ai perdu ma casquette durant le trajet. Je suis tellement chaud, je suis obligé de me habiller comme ça. Je suis obligé. Pour moi, ça fait un petit peu d'ombre sur la tête, quoi. Par contre, tu vois, c'est le chandail que j'ai porté pendant 3 jours. Pour moi, ça sert à l'ombre, hein, mais c'est tout. Le reste, j'ai hâte que ça prenne une lessive tout ça. Bibite. Courir en claquette, c'est pas top. C'est vraiment drôle parce que tout le long de la randonnée, je vois tout le monde équipé avec des sacs à dos de randonnée, des chaussures de randonnée, plein d'eau, plein de bouffe. Ok, l'eau, je comprends. Parce que je suis en rupture de stock, puis à cause de ça, je suis obligé de revenir en arrière parce que il me restait 4 km à marcher, puis j'avais toujours pas d'eau. Donc, puis moi, check, je suis en gougoune, je suis en short de vélo, Genre, je fais vraiment touriste. Hein. En plus, on m'a dit que les vélos étaient interdits. J'ai vu au moins 10 vélos. Alors, moi, je vais chercher mon vélo, je vais laisser mes sacoches dans les bois, je vais les mettre quelque part, et je vais venir à vélo. Alors, exactement devant nous, littéralement devant nous, il y a un phoque. Je sais pas si la caméra est capable de le prendre. Hop, là, il rentre dans l'eau. Je pense qu'il y a un camion qui arrive. Je vais lui faire du stop. De l'autostop. Oh, je me sens chaud pour faire du stop. J'ai trop soif, j'ai trop faim. Faut qu'il me ramène. Bon, il y en a un deuxième, prise 2. Bon bah je pense que je vais marcher, hein. J'ai vraiment la dalle. Enfin de la civilisation. Enfin. Oh regardez-moi ça. C'est beau les gens. C'est beau. J'arrive. J'ai faim, j'ai soif. J'ai plus de batterie. J'ai plus rien. Oh mon dieu, j'ai vraiment soif. Là j'ai fait le tour de la Gaspésie à vélo. Moi, je vais faire la côte, non? Je suis en tour, Bretagne. Ouais. Québec.
Bon bah c'est parti, j'ai trouvé un lift. Et il a failli se faire frapper hein. Bon bah salut guys, ce soir, non, aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle à Gaspé. Le parc Forillon est à couper le souffle et en plus j'ai vu un caribou, un truc de malade, il allait me rentrer dedans. Parce que c'est une histoire de fou ma journée. Je suis parti jusqu'au bout. Au revenant, j'avais plus d'eau, j'étais assoiffé, j'étais affamé. Un gars m'a ramené en véhicule. Le caribou nous a failli nous rentrer dedans. Puis là, je me fais un petit festin de malade. Par contre, j'ai aucune idée où je vais dormir encore. Mais c'est pas très grave ça. C'est pas très grave. Il est juste 7h de là. 7h de là. 7h du soir. Donc, il me reste encore 2h avant que la nuit tombe. Donc j'ai aucune idée, vraiment aucune idée non plus. Bon, là je mange mes réserves, on est d'accord. Bon, alors ça. Appelez-moi chef Ramsey. La douche chaude. Vous comprenez le mot chaude? Ça faisait 4 jours quasiment. Là, ça aurait été la 4e soirée que j'aurais pas pris de douche. 4 jours sans douche. Tu pues. Puis là, t'as une douche gratuite, chaude. À l'infini. Bon, honnêtement, j'ai pris 5 minutes de douche. Pas parce que j'aime pas les douches, c'est juste que j'avais mon vélo à l'extérieur, j'avais pas envie de me le faire voler. Donc, un truc de malade. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Puis je vous dis à très bientôt. Je suis vraiment trop con. Là je prends ma douche et tout. Maintenant c'est à 600 mètres qu'il y a de la douche. Et j'ai oublié ma serviette. Mais c'est pas grave. Au moins elle est bonne. Bon, on va faire comme on peut. Hein. Oh putain, je suis arrivé au bout. Wouh. Attends, quand même une petite visite des lieux quand même hein. Okay. Wouh. It's beautiful. Bon, je vais faire attention de pas tomber en bas cette fois-ci. Ah, c'est triste qu'on peut pas faire drone. C'est un endroit magique. En tout cas, ça porte bien son nom. Là, je suis présentement au bout du monde. Je suis d'accord. Je suis au bout du monde. Let's go. Oh mon dieu, une baleine. Non, c'est un dauphin, je pense. Je quitte le parc, pas encore le parc Forillon, mais là je quitte Gaspé. Donc la vue derrière moi est vraiment à couper le souffle. Mais je vous le dis, c'est sur toutes les côtes que j'ai fait de mon existence sur un vélo,
c'est la plus difficile. Ça se montait bien, mais c'était la plus difficile. Donc j'ai hâte de voir ce que la Gaspésie me réserve encore dans les côtes, parce que je vais en bouffer tous les jours si je peux. Nous avons deux confrères à bord, un peu plus sur la gauche. Let's go, on va les encourager. Allez, let's go. Honnêtement, c'est la pire journée depuis le début du voyage. Il fait super beau, je suis d'accord, mais il y a tellement de vent. Il y a 35 nœuds de vent que j'ai reçu en pleine face depuis le début de la journée. C'est un truc de fou. Donc là, je me suis arrêté, je me suis pris un Red Bull pour essayer de donner un peu d'énergie, on va dire. Puis des bonbons. Pour donner un peu de sucre au corps, parce que j'ai beau avoir mangé beaucoup aujourd'hui. Hein. Je me sens... En plus, j'ai juste fait 40 km, j'avance pas. À cette allure-là, je vais être à Québec à... dans 15 jours. En vrai, je suis quand même découragé. Faut que je vous avoue. Check la côte! C'est malade, c'est immense! C'est comme je les aime! On va tout donner! On peut pas abandonner. On va la monter d'une shot. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Tu vois, je viens tout juste de me casser la gueule. Maintenant un pic, il avec le vent. Ça va pas tomber quoi. Dans 17 jours, je suis dans mon lit. Wouh. Ah mais ça, c'est un truc de malade. Camping gratuit au bord de la rivière. Ça veut dire tu dépenses pas d'argent et en plus t'as une douche naturelle. Naturelle. C'est extraordinaire. Mais moi faut que j'aille plus loin. Crotte. Ce soir encore une soirée de fou. Là je viens de rencontrer deux personnes, Océane et Envy. Donc là ils me proposent un petit souper totalement vegan, c'est bien ça? Donc j'ai vraiment hâte de goûter. Donc là il est en train de faire des petites tomates, il a coupé ça c'est quoi ça? C'est des oignons verts. Des oignons verts, un petit potage pour madame. Puis il y a pas mal de trucs, puis moi j'ai mis aussi quelques petits trucs donc. Je pense que ça va être cool. Je pense qu'on va bien s'amuser. Bon, checkez-moi ce que j'ai ce soir là. J'ai des pâtes, j'ai des tomates avec des oignons verts. Bon, vas-y, c'est quand tu veux. Première fois que je mange des pâtes depuis mon départ. Ok, en plus il est généreux. Oh, t'es ouais, garçon pour toi aussi là. Mais t'inquiète. Oh mon dieu. Je pense que c'est la première fois que j'aurais rien payé pour vraiment. Ah, c'est vraiment cool, merci. C'est un plaisir. Voilà. Bon bah salut hein. Il fait vraiment froid ce matin. Tu vois j'ai ma tente à côté de l'eau, de la mer et l'autre bord il y a un lac. C'est beau mais. Je pense que je vais décoller, tu vois il est 4h du matin, je pense que je vais me lever et puis je vais aller rouler, ça va me réchauffer parce que là, ouh, allez go.
Bon bah, comme j'y suis, je vais vous apprendre quelque chose. Quand vous levez le matin et vous laissez vos souliers à l'extérieur, il est primordial de les taper au sol avant. Pourquoi ? Vous voyez, j'ai tapé mes deux souliers. Bon, c'était la première fois que ça m'arrive, mais faut toujours le faire, c'est comme ça que je l'ai appris. Regardez-moi ça. Je sais pas si on va bien la voir. Bon, là, c'est caché là, mais une belle grosse araignée, comme je les aime. J'ai détesté l'araignée. Check ça, là. Je vous la vois là. Let's go! Elle est énorme! Il est énorme. Bon. Sur ce, elle est bien gentille, mais moi, faut que j'y aille. Bon, bah, c'est parti. Il est 5h45 du matin. Faut rouler aujourd'hui parce qu'ils annoncent énormément de vent comme hier. Ce matin, ils en annonçaient un petit peu moins. Donc, j'ai décidé de partir un petit peu plus tôt que prévu. Donc, me voilà sur la route. En espérant honnêtement qu'il n'y a pas trop de vent parce que ça m'a claqué hier, puis honnêtement je le sens dans les jambes. Je suis genre en mode ouh, il fait froid, les jambes, reposez-vous. On verra bien. Parti mon kiki, ça monte comme jamais. Me with a Kodak, took my life from negative to positive. I just want you to know that. And tonight, listen. J'ai les jambes qui brûlent. On veut la monter. Pas question. On va pas descendre. On veut la voir. Allez Alex. On a réussi. Yes. Let's go. Montez la côte! Let's go! Woo! Alexis a fait 225 km en une journée. C'est un truc de malade. Donc Alexis, quand tu vas voir ça, écoute bien. J'ai peut-être le vent dans la face, mais c'est pas grave. J'ai un gars de compétition, puis je vais le faire. Je vais faire 226 km. Je pousse juste pour faire chier. Je vais tout donner. Il est 6h actuellement et j'ai calculé que si je fais, parce que là il manque encore 150 km, j'arriverai demain matin à 4h du matin sans pause. Donc, et je me donne 1 heure de pause, donc 5h du matin. On va voir ce que ça donne. En tout cas, good job mon frère. Puis, tu m'as vraiment lancé un gros défi là. Mais je compte bien le réaliser. Allez, je te dis bonne nuit. Parce que moi, toute la nuit, je vais rouler. Salut! Je m'en fiche! Je vais réussir! Ça va bien? Ouais, encore un petit bout? Là, j'essaie de faire 300 km en une journée. 300 km? Ouais. Un petit peu après Gaspé. Ils en pause. Direction Matane. Matane ? Ouais. On est gonflé à bloc, puis on donne tout ce qu'on a. Ouh ! Eh, c'est quelque chose, hein ? Ouh ! Avec le vent, je tombais à 3 reprises. Okay. Mais je me suis relevé, puis il fallait continuer, donc. Ouais, bah c'est sûr. Est-ce qu'il y a un timer, ça, à Saint-Anne ? Yes, on va prendre un petit café, ça va faire du bien. Moi, je t'attends, on va prendre un café là-bas. Oh, bah, c'est gentil. Eh, salut, à la prochaine. Salut.
Eh, c'est un truc de fou. Là, il y a le coucher du soleil à ma droite. Il y a des campeurs, ils ont fait des feux. Waouh. Salut guys. En fait, tu vois, là, je suis en pleine forêt. Je roule la nuit, est-ce que c'est prudent? Bonne question. En tout cas, chose est sûre, c'est que je suis persuadé d'avoir vu un loup. Puis à chaque fois que je me retourne, il est quand même pas trop loin de moi. Donc j'ai quand même ce qu'il faut pour me défendre au cas où. Mais je sais pas ce qui peut se passer cette nuit, donc je peux pas le dire tout de suite. Je vous aime tous, mais t'en fais pas pour moi parce que je vais revenir, je me connais, tu comprends? J'ai trop de choses encore à réaliser pour qu'un loup me fasse la peau. Donc de toute façon ils me connaissent pas, hein. Moi je suis Alex. Je suis Alex l'aventurier, donc ça fait partie de l'aventure. De l'aventure, je veux dire. On verra bien ce que ça donne et que le meilleur gagne, on va dire. Allez, salut. Hey, mon frère, j'ai réussi. J'ai fait 240 km. Ça m'a pris 12 heures. 12 heures. Là, je suis fatigué comme jamais. Donc là, il reste 2 km. Et j'arrive au traversier. Donc, force à nous. Let's go! Allez les bleus. Bon bah c'est parti, je suis dans le bateau, direction cette île. Direction Godbout, après Godbout, Port-Cartier, cette île. Et c'est un truc de malade, tu vois, l'année passée on était censé venir ici avec Alexis et on s'était renseigné, puis c'était 40$ par personne. Là, je suis arrivé, ils m'ont dit allez là monsieur, je suis allé là, ils m'ont fait rentrer dans le bateau, j'ai rien compris, j'ai rien payé, donc tant mieux. Donc le 40$ que j'étais censé investir dans le bateau, je vais l'investir. Ah ouais, j'ai vraiment faim en plus. Puis j'ai pas dormi en fait, tu vois, j'ai roulé 250 km, puis honnêtement je pète la forme, j'ai juste très mal au bras, les jambes, tout va bien. Mentalement, est-ce que c'était difficile? Pas vraiment. Ouais, moi ce matin, on m'a fait rentrer comme ça. Et vous payez votre... Ouais, je sais, c'est ça, c'est chelou. Mais ce matin, ils m'ont dit, ouais, rentre. J'ai ouais. Ok. Mais vous montez la billetterie, vous payez pour une personne, maintenant ça va vous payer $20. Ok, c'est bon. En fait, puis ce matin, on m'a dit que ça allait à d'autres goûts. Non, aujourd'hui, c'est deux fois les commandes. Ah, ouais. Ok, je savais pas. Mais vous montez en haut pour payer. Ok, faut que je monte en haut. Ouais. Ok, nickel, c'est bon. Ouais. Ça y est, la prochaine. Voilà, bonne route. C'est bon, salut, man. Salut. Bon bah me suis trompé de bateau hein. Moi qui pensais aller à Godbout pour aller à Port-Cartier, bah je suis pas à Godbout, je suis à Baie-Comeau. Donc moi qui pensais dormir après ma journée de 250 km, bah non man, tu dormiras pas Alex. Faut que tu pédales encore 60 km. Donc là je vais aller à un Tim Hortons, à la bonne, je vais manger. Je vais me concentrer et je vais pédaler. En tout cas, j'adore les aventures. C'est magique. Au moins, il fait plus beau que matin. Ça, c'est cool. Bon, moi, faut que je vous laisse, que j'ai de la route. Hein. Allez, salut.
Bon bah... Il pleut. Je suis tout seul. Il fait froid. Et il pleut. Bon bah... Il pleut, hein. Ça se passe comme à Québec, quand il pleut, tout le monde court sous les arrêts de bus. Ici, tu veux que je cours où? Y'a personne. Bon bah... Là, je suis à... Je suis proche de Godbout, tu vois. Puis là, j'aimerais aller là-bas pour manger. Puis là, il est 1h. Puis là, je tombe sur une... Je sais pas, c'est genre un casse-croûte, là. Ici, je vois le smart store à grosse pancarte qui s'est fermé. Je suis d'accord, c'est fermé, mais il y a des tables et tout ça. Puis moi, j'ai un petit peu de bouffe, donc je vais m'installer. Ah ouais, donc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le Wi-Fi gratuit, il y a un accès pour prendre de l'eau, il y a des tables, il y a des prises électriques. Je vais rester campé ici, en fait. Campé. Installé ici pendant 1 heure ou 2 facile pour faire mes petits trucs, puis après je décolle, puis je devrais être à Baie-Trinité vers 8h30, donc la vie est belle, quoi. Tu vois, je viens d'acheter, j'étais persuadé que c'était du chili. Ce n'est pas du chili, ça. Ça, là, je sais pas c'est quoi, mais je sais même pas si ça se mange chaud. Bon, je vais le manger tiède comme ça. Ça se mange froid, bah il est tiède. Ça se mange chaud, bah il est tiède. Je chante les deux, quoi. Ah, c'est pas bon. C'est bête, comment ça va? Nous, ça va super bien. On va rouler, direction cette île. J'arrive. Bienvenue à la discothèque Ravel Sincère. Y'a pas beaucoup de monde encore, mais ça va arriver. Bon bah, je suis extrêmement chanceux. Je tiens vraiment à remercier les personnes qui m'accueillent aujourd'hui. Et notamment, je tiens à remercier Marie-Pierre, ma collègue de travail, pour m'avoir donné ce contact-là. C'est tout simplement exceptionnel. Ils m'ont invité chez eux, ils m'ont proposé de faire une lessive, ils m'ont proposé une douche chaude. Oui, une douche chaude. Je pense que c'est rendu de l'or pour moi, une douche. Donc, en plus, j'ai super bien mangé. Ils m'ont fait des spaghettis, je me suis resservi. Et là, bah, comme ça, ils sont partis faire du camping, puis ils me font littéralement confiance, ils m'ont laissé leur maison, ma tante est dans leur jardin, ils m'ont dit s'il pleut, dors sur le matelas, il n'y a pas de problème. Honnêtement, je tiens à dire aux gens, là, ceux qui ne sont pas allés en Gaspésie ou sur la côte nord, là, les gens, là, ils ont une confiance extrême, ils sont vraiment prêts à tout pour t'aider. Puis ça, je tiens vraiment à remercier les Gaspésiens et les Gaspésiennes, notamment les gens de la rive nord, la côte nord, je veux dire. Vous êtes vraiment des amours, vous êtes vraiment, vous avez vraiment tous un grand cœur, honnêtement. J'en ai poigné aucun pour l'instant qui m'a refusé quelque chose ou m'a pas aidé. Donc merci du fond du cœur à tout le monde qui a contribué à mon projet. Parce que grâce à vous, j'ai pu vraiment me rendre à cette île. Bon, j'y suis demain, mais demain il me reste 60 km, puis je suis à cette île. Puis après on rentre à la maison, donc c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe. Donc merci encore. Bon bah c'est parti, il me reste 60 km, là je pars de chez mes amis. Donc c'est cool parce que je peux laisser ma tente, on m'a laissé la permission de laisser ma tente. Je pars seulement avec mon vélo, mes deux bouteilles d'eau, ma sacoche, mon drone, bah tout ce qui est photographique et quoi. Donc là je fonce à cette île, je fais des photos, je fais des vidéos, je fais le fou. Je saute dans la mer, en gros je fais le con quoi. Puis après direction je reviens ici, je dors ici encore, j'ai passé encore une belle soirée avec eux. Et après, bah, direction Québec. Donc, puis le 1er août, je devrais être à Québec vers 18h30. Donc, ça va être un truc de malade. Un truc de malade. Je souhaite un bon matin, puis bon petit déjeuner pour ceux qui viennent de se lever. Salut! Allez, Québec! Let's go! On donne tout! Wow!
arrivé à cette île. Wouhou! Donc c'est un truc de malade. C'est beau, il fait beau, il fait bon, il y a du soleil, il y a tout ce qu'il faut. Je veux dire que demain, je roule vers Québec, je roule vers chez moi. Oh my god, let's go! Même si j'ai quand même, honnêtement, là, je suis un peu triste de rentrer parce que je trouve ça tellement malade que j'aurais voulu continuer. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Donc demain, direction Québec. Puis c'est un truc de malade. Salut guys, là on a à Port-Cartier, puis j'ai envie de vous montrer comment on s'est fait accueillir à Port-Cartier. Bon bah, hey guys, on dit bonjour à la caméra. Bienvenue. Yes. C'est ça la côte nord. Ouais. C'est ça la côte nord, pas mal hein. Ouais. Oh, je vous dis, c'est un truc, c'est magique. Mais là on y va. Vous allez jusqu'à où? Fermont. Ah ok, quand même. Non, moi Québec. Merci, vous aussi. Bon bah, il me reste 35 km puis j'arrive à Matane. Donc je veux planter ma tente. Il annonce de grosses pluies ce soir, de gros orages, mais tu sais quoi? Pas de problème. Aucun problème. Arrosez-moi, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il reste juste 5 jours, je vous donne mon corps pour 5 jours. Amusez-vous, faites ce que vous voulez, faites-le durer, il n'y a pas de problème. Et après, je suis dans mon lit, chez moi. Ah, honnêtement, man, ça me rend triste, parce que c'est déjà fini, en fait. C'est déjà fini, c'est triste. C'est triste. Mais bon, c'est comme ça, hein. En tout cas, j'ai vécu vraiment des moments, genre, c'était extraordinaire, extraordinaire. Mais dites-vous une chose, c'est juste le début, man. C'est juste le début. Là, les gens disent, oh, c'est malade ce que tu fais, tu fais la Gaspésie, oh, tu fais la Côte-Nord, oh, mais t'es un fou. Ouais, mais c'est les fous qui font des grandes choses. Donc voilà. Mais c'est vraiment juste le début, tu vois. La prochaine année, c'est quoi? Est-ce que je fais encore plus gros à vélo? Je sais pas. Après, tout dépend, tu vois. Là, j'ai pas de copine, donc à vélo, ça me dérange pas. Mais si j'ai quelqu'un, bah là, c'est sûr que je vais faire autrement. Peut-être un pack-sac avec ma copine, tu sais, j'en sais rien. En canoë, je sais pas. Traverser, je sais pas, un pays en canoë, aucune idée. Donc. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, c'est je vous dis, hein, voyager comme je fais, hein, c'est vraiment trop top. Hein. Tu sais, les gens disent, ah, t'es tout seul. Oui, ok, c'est vrai que mentalement, c'est difficile. Moi, honnêtement, personnellement, moi, je trouve que tout va bien. Mais c'est vrai que mentalement, c'est plus difficile qu'à deux. Donc, mais il faut s'habituer, puis honnêtement, ça roule bien. Hein. Y a pas de problème. Hein. Moi, je roule, puis j'ai un objectif, donc je fonce. Ok, salut guys, donc là je mange une poutine, tu vois. Donc, puis là j'ai rencontré 3 jeunes. Puis là ils sont en train de deviner mon âge, donc toi tu dis. 25. Ouais. 25, ok, toi tu dis. 26, 27. Et toi tu dis. Eh les gars, j'ai 19. Bon bah, c'est parti. Bye bye, good move, tu vois là, j'ai dormi. Il y a énormément de vent, j'ai dormi sur un petit terrain et tout ça. Hier j'ai croisé des jeunes, ils sont venus m'aider, ils ont monté la tente avec moi, on a passé une bonne soirée ensemble. Puis là j'ai dormi, vraiment la tente c'était n'importe quoi, il y avait tellement de vent, c'est incroyable. Donc là il est actuellement 10h10, mon bateau part à 11h. Donc je suis environ à 10 minutes à vélo, même pas du traversier. Donc je vais y aller pour me prendre une place pour être sûr de ne pas rater mon bateau, pour retrouver mon pote Justin l'autre bord à Matane. Allez, salut. Ça souffle beaucoup ici. Je sais pas si vous voyez, mais juste ici, il y a la famille Cana. Ils sont en train de se noyer. Eh, c'est incroyable, il y a au moins genre 40 canards. Non, ils ont pas pris la journée idéale. Je vous ai servi les canards, man. Ça souffle, allez vous cacher. En tout cas, moi je vais me cacher dans le bateau. Allez, let's go. Woo! Salut. Some and now no.
Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. On aime ça, nous, la pluie! Ah, on adore! C'est comme une douche, mais gratuite! Mon frère Justin, comment ça se passe durant les voyages à vélo? Donc, on va dormir dans un bon lit. Donc, ça se passe toujours comme ça? Non, là, c'est vraiment l'exception. Donc, à date, ouais, il était venu vraiment dans la meilleure semaine. Parfait. Donc, même si aujourd'hui, c'est quand même dur, hein, vous, c'était top. Bah ouais, parce qu'on a fait, c'est combien? 92? Ouais, 96 km. 96, mais en une après-midi. Ouais, ouais, donc on a roulé beaucoup, puis de la pluie et tout. Donc. Mais en tout cas, demain, on vous réserve quelque chose de cool, de belles photos, des belles vidéos. Et surtout, pour nous, c'est une petite journée, donc on va aimer ça. C'est cool, hein. When the night was full of terrors, and your eyes were filled with tears, when you heard... C'est les copains. Est-ce que vous voyez mon pote Justin est là-bas? Ah, coucou Justin. Yes. Puis là-bas, j'ai mon caméraman. Est-ce que vous voyez mon caméraman? On a toute l'équipe. Toute l'équipe est présente. Let's go. Most of you, some and now none of you. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Oh, take me back. Salut les amis, tu vois là on a une grosse nouvelle, on a retrouvé notre pote Jonathan, François, merde, François, on a recroisé François, vraiment on pensait qu'on l'avait perdu mais il est de retour, puis demain il rentre à la maison donc bonne chance à François, puis force à nous hein Justin, c'est bientôt notre tour. Une vraie nuit en amoureux dans la tente, ça fait du bien Justin. My heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you. Bienvenue à la maison, Alexandre. Enfin arrivé. I have to go out of my door and live just like you did before. I know that has and I was sure, but rich men can't imagine poor. So one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. So one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. But me on you, keep doing all the things they do, they never really think they're true, like I them never think you're true. Here I go again to blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the falling father of foul blame, and stuck in heavy cloud of rain. So one day, baby, oh, oh, baby, we'll be on and think of all the stories that we could have done. So one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old.
sombre.